Isn't it wonderful? Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Okay, kingdom invasion. Ce matin, nous causons l'invasion du royaume. Okay, somebody say kingdom invasion. Nous te disons invasion du royaume. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 4, verse 20. 1 Corinthiens 4, 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Can we read this together in English and French? Okay. Vous lire en anglais et en français? English speaking people, 1, 2, 3. Come on. Okay, 1, 2, 3. For the kingdom of God is not in word, but in power. You know, there is a danger today in Christianity. Il y a un danger qui nous fait face dans le christianisme. Especially when we follow too much about America. Et surtout quand on peut suivre l'Amérique. In fact, I was speaking to some of my pastor friends. Much because an ami pasteur. You know, that side they preach 28 minutes because they are on TV. Et ils prêchent seulement 20 minutes parce qu'ils ont la télévision. There is no prayer, there is no deliverance, there is nothing. Puis n'ont aucune la prière, puis n'ont aucune délivrance qui fait. And this is like becoming a fashion all over the world. Et l'hypocrisie commence la mode so partout come, dans le monde. So come like you're coming to a whatever religious church. En tout cas, je peux venir dans une réunion religieuse. Three points, one poem. Et il y a trois points et un poème. God bless you, bye bye. Le Seigneur bénisse à la so case. People come sick, go home sick. Donc, ben, si vous êtes malade, vous allez à la people case malade. People come with one demon, they go out with two demons. Et ben, si vous venez avec un démon, vous allez à la case des démons. The Bible says the kingdom. Somebody say with me, the kingdom of God. Nous dit le royaume de Dieu. Is power. C'est la puissance. This is what we are experiencing in the church. Voilà ce que j'ai expérimenté dans l'église. On Wednesday. Mercredi. You know, sometimes miracle happen. We did not have camera in front of us. This is a problem. Wednesday, about 30 people. Il y a 30 personnes mercredi. A lady. Une sœur. She stayed in Rivière des Anguilles. Elle habite à Rivière des Anguilles. For I don't know how many years. 10 years, I think, or 2 years. She had a serious problem. Pendant 10 ans, il tient un problème. Got healed. Il a guéri. This is what the Lord is doing. Et c'est ce qu'il a fait. Someone had thyroid. Il tient une personne thyroïde. And I know she's young. When she came here, she was crying because lots of complications come with thyroid. Elle est venue en larmes parce qu'il y a beaucoup de complications dans sa santé. By the way, this is on Facebook. Et il est sur Facebook. She was healed in the presence of God this last week. She went to the doctor, and the doctor said there is nothing. Et la semaine dernière, elle est venue pour la prière, et puis il a dit docteur, docteur dit n'est pas rien. So the kingdom of God is power, people of God. Le royaume de Dieu, c'est la puissance, peuple de Dieu. Can someone shout power? Nous dit la puissance. Say again power. La puissance. Say again power. La puissance. Amen. So Amen. We must understand this. Donc nous devons comprendre cela. We are not in a defeated kingdom. Nous pas dans un royaume de we défaite. We are not in a weak kingdom. Nous pas dans un royaume qui faible. But we are in the kingdom of God. Nous dans le royaume de and Dieu. And the kingdom of God is power. Et le royaume de Dieu c'est la puissance. Can you say amen? Amen. But something very important I'm going to teach you quickly. Et nous pensons résoudre quelque chose de très so important ce matin. So let's read again the Lord's Prayer that I touched a lot. I'm just doing a recap of last week. Donc, on fait une récapitulation de then la semaine we move dernière. On. In this manner, therefore, pray our Father in heaven, hallowed be thy name, verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Stay here for a minute, okay? Please understand. Comprends cela. The most, in fact, on Thursday also, I preach about this first thing first. Je dis nous tu causes l'homme première chose en premier. First thing in our first person in our life is God. Première personne de nous la vie c'est Dieu. I plead with you. Me plaide Dieu. Okay, let's do a survey. How many of you work? Let me see your hand. Combien d'entre nous travaille? Okay. Praise the Lord. So how many of you? Combien d'entre vous? I don't know if I have 1 rupee. Yes, I have 1 rupee. If you know the answer, I give you 1 rupee. Si vous donnez une bonne réponse, vous donnez 1 rupee. Is that okay? So nobody is interested in 1 rupee. Qui est super intéressé avec 1 rupee? So why we give God 1 rupee then? Qui fait de besoin de nous 1 rupee alors? Okay, let's go back to my teaching. Okay, if you know the answer, most of you work. La plupart d'entre nous travaillent. So how many of you every week your boss come home say please come to work. Combien d'entre please nous? Madame come to work. Mister please come to work. Combien d'entre nous tous les jours nous patron téléphone nous dire s'il vous te plaît viens travailler. Is there anybody? Est-ce qu'il y a quelqu'un nobody? Qui se patron okay, fait my, ça? Nobody. My rupees stay here. I can have a meat sweet. So when it comes to church, we must understand our priority is God. The Bible says,
What does it profit a man if we get the whole world? We lose our soul. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre âme? So our spiritual life must be number one. Donc de la vie spirituelle, il est en premier. When we talk about spiritual life, this means coming to church. Quand nous parlons de la priorité prier, donner. Spiritual life first. De la vie spirituelle en premier. When our spiritual life is first, everything will go well. Quand de la vie spirituelle est en premier, tout qui se pour manger bien. In fact, lots of testimonies that you have heard here. En vérité, beaucoup, la plupart des témoignages que j'entends ici. When people got delivered. Comment dites-vous d'être délivrés? The sickness went and they are healed. Et la maladie n'allait, ils ont guéri. Amen. So the source or root is spiritual. La racine de sa maladie, c'est spirituel. When we are low spiritual, this is an open door for the devil to come. Quand nous vraiment très bas spirituellement, le démon peut venir avec la maladie. Please. Alors, you know, we just close the account of new soul. We close not only financial account of new soul in this church. Je finis termine mon compte pour ma nouvelle âme depuis l'année. From January to now. De janvier jusqu'à maintenant. We had 300 new souls coming to this church. 300 nouvelles âmes okay, let's talk about 300 babies. Nous causons 300 bébés. So, how will we manage with this? Comment nous contrôlons cela? Okay, if we have to encourage the old people all the time, come to church, come to church. No. Si nous disons tout le temps, encourage, maintenant, ancien, puis dire, vive l'église, vive l'église. If you have a neighbor next to you, please tell him or her. Si tu as un voisin, voisine, dis-lui. You don't have to ask me to come to church, I am coming. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de dire, moi, vive l'église, mon Look at someone, okay? Because this is priority. Parce que c'est la priorité. And number two, numéro deux, if you are 3 years older with the Lord, si je suis 3 ans plus âgé, I encourage you dans le be Seigneur, a laborer for God. Alors, je vais devenir un ouvrier pour le Seigneur. The Bible says the labor, the harvest is plenty, the laborers are few. La Bible dit comme ça, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. And you know, et je te connais, apprentice labor. Et je connais un apprentissage, une manœuvre. Amen. They will have a unskilled labor, I think they call it in English. Hein? They have low salary. Salaire le plus bas. And they have to do all the hard work. Et ils ont même fait un plus gros travail. They have to mix the cement, the what you call rock stones and ciment, and then they came and gave to the mister. Et là, ils donnent ça aux ouvriers, le monsieur. And the boss will plaster. Et bien sûr, l'ouvrier, c'est lui qui peut mettre, he get more money. Et c'est lui qui a plus l'argent, l'ouvrier. So we can't continue to remain an unskilled labor. Donc nous pas rester un ouvrier. Be a skilled labor. Être un ouvrier capable. And now I encourage you to go a little bit higher. Alors nous bouger un petit peu plus haut. Be a contractor. Vine un contracteur. Your shirt won't be dirty too much. Votre tricot pas trop sale. And you will have greater salary. Et bien sûr, je vous gagne meilleur salaire. I encourage you to go a little bit higher. Allez un petit peu plus haut encore. Become an engineer. Vine un ingénieur. You will work in your office with air conditioning. Quand vous travaillez dans un bureau avec aircon. Sometimes you will have some sun. Parfois nous gagnons soleil. But you will have more money. Mais nous gagnons plus d'argent. So we need you in the kingdom of God. Nous besoin bouger dans it's le royaume de Dieu. It's time for everybody to work for God. C'est le moment pour just tout le monde travailler pour it. Dieu. Just think about it. 300 new soul for 5 months. Imagine du coup 5 mois nous avons 300 personnes qui viennent pour la première fois. This is a church by itself. C'est l'église en lui-même. So we could already have another church again now. Tu finis car une autre église en lui-même. Amen. Amen. So I encourage you, those who are elder in the church. Donc moi encourage tout mon ancien dans l'église. Be responsible, be disciplined. Être responsable, être discipliné. To come to church every day. Pour venir l'église à chaque regularly, fois. Régulièrement. And of course, take care of the new souls. Et prends soin de mon plus jeune spirituel. You will be blessed. Et je peux être béni. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. And you know in our personal life. Et je connais qu'il y a dans nos propres vies personnelles. Prayer is the most important thing in somebody's life. La prière, c'est la priorité dans nous la vie chrétienne. You agree? How many of you have ever prayed in your life? Combien d'entre nous au moins une fois nous prié? Okay, most of you have ever prayed. Praise the Lord. I'd like to participate. Bon, it helps us get revelation. Je gagne une révélation. So it looks like most of you have ever prayed before. Quand tout qu'il a, nous prions au moins une fois. So I hope you prayed this morning. Or yesterday. Prié ce matin ou hier. Okay. D'accord. So if prayer is the most important thing in our life. Si la prière est la priorité dans nous la vie. And in Jesus' model of prayer. Et dans le modèle de la prière de Jésus de nous. Listen to this. Écoute cela. He did not put our grocery list first. Libène, vraiment, mettez-nous la liste commission en premier. Give me soap. Donne-moi savon. Give me butter. Donne-moi du beurre. Give me cheese. Donne-moi fromage. Give me lamb without bones. Donne-moi agneau mais sans les os. Boneless lamb. Hey, donne-moi agneau sans os. Come on, help me now. Aide-moi. Give me crayfish. Hey, donne-moi vraiment. Lord, give me the big king prawn fish without the cholesterol. Donne-moi une crevette géante mais sans cholestérol.
Okay, Lord, give me chicken label 40. Label 60. Label 60. Donne-moi poule label 60. Lord, give me this. Donne-moi ça. Do you know it is in verse 10? Dans verset 10. That says, give me my, verse 11, my daily bread. C'est seulement dans le verset 11 qui dit, donne-moi mon pain quotidien. So first priority must be the kingdom of God. Donc ta priorité, c'est le royaume de Dieu. You know, I preach on this on Thursday. Mon causeau là, jeudi. And I got a revelation which you can put on Facebook. Mon révélation que tu peux mettre sur Facebook. First thing will bring next thing. La première chose, les apporte les autres choses. Okay, you cannot, if you don't be in standard one, you cannot be, you cannot do CPE. Si nous pas commence dans première, dans first, nous pas pouvoir faire CPE. Do you agree with me? If you don't do form one, you cannot go to HSE. Si nous pas passe par form une, nous pas aller à HSE. Those who drive. Ceux qui conduisent. You know, the guy who invented the first gear is not a stupid. Et c'est l'ingénieur qui crée première vitesse première. So in the car you put first gear. Donc, nous mettons première vitesse. Then you put second gear. Et puis ça, nous mettons deuxième vitesse. Are you here, the drivers? D'accord, are here? Sophia? The lady drivers, I know my lady driver drive very good here. Amen. Vous connaissez madame qui conduit, je conduis très bien. Amen. So first thing first. Première chose en premier. When we do the first thing, quand nous faisons les premières choses, the next thing will come automatically. Les choses pour venir après automatiquement. Get our priority right. Mettre nos priorités en règle. Can you say amen? Amen. So kingdom of God must be first in our life. Le royaume de Dieu est bien premier dans nous la vie. And this is prayer now. Et la prière. If you go and read in Isaiah 58, si nous lisons dans Isaïe chapitre 58, where the Bible speaks about the true fasting and the false fasting, la Bible cause le vrai jeûne et le faux jeûne. You will see again the kingdom of God first. Donc vous trouvez qu'il vraiment le royaume de Dieu est en premier. Amen. Amen. In concerning our finances, concernant nos finances, in Malachi chapter 3, dans Malachie chapitre 3, the Bible says bring the tithes and offering first. Dieu dit comme ça, apporte les dîmes et offrandes en premier. Throughout the Bible, à travers la Bible, this first principle apply. Donc les principes de priorité lui appliquent. It speaks about first fruits. Il cause les premiers fruits. First born. Il cause les premiers nés. Look, the first born had a double anointing. Vous voyez qu'il le premier né, c'était une double onction. The Bible speaks about the first commandment. La Bible cause le premier commandement. What is the first commandment? C'est quoi le premier commandement? You shall love the Lord your God. Tu aimeras ton Dieu. With all your heart, with all your soul, with all your mind. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta you pensée. You see, God is a God of the first principle. Dieu, c'est un Dieu de bonne principe. Our problem sometimes. Nos problèmes des fois. We don't do what we need to do. Nous pas faire ce qu'il nous besoin faire. But we want to do what God has to do. Mais nous envie faire ce qu'il bon Dieu besoin faire. God said, do what you have to do, son. Bon Dieu, fais ce qu'il te besoin, mon garçon. Do what you have to do, my daughter. Fais ce qu'il te besoin faire, ma petite fille. Do the first thing first. Fais bonne première quelque chose en I will do the rest. Et moi vous faire les restes. Can you say amen? Amen. Kingdom of God. Le royaume de Dieu. Of course, last week I spoke about all the kingdoms of God have different characteristics. La semaine dernière, nous avons parlé des caractéristiques du royaume de Dieu. In the kingdom, we have a king and a lord. Dans le royaume, nous avons un roi, nous avons un seigneur. We have a territory. Nous avons un territoire. We have a constitution. Nous avons une constitution. We have a citizenry. Mais citizens. Aussi de la citoyenneté. We have the law. Nous avons la loi. We have the rights and benefits. Nous avons droits et aussi bénéfices. We have a code of ethics. Nous avons un code d'éthique. We have an army. Nous avons l'armée. We have a culture. Nous avons une culture. Amen. Amen. A kingdom of God. Le royaume de Dieu. Culture. Et une culture. Is supposed to be evident in our daily activities and encounters. Et il est besoin dans nos activités de tous les jours. Let me help you. Laisse-moi te dire. In the morning when you pray. Le matin quand nous prions. Please pray like this. Priez comme cela. Lord, your kingdom come. Dis Seigneur que ton royaume que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite praise dans notre vie. Praise this over your children. Priez comme ça pour nos enfants. Your kingdom come. Your will be done upon my children. Ta volonté l'y faire dans la vie your de mes enfants. Your kingdom come. Ton royaume y arrive. Your will be done upon my business. Ta volonté l'y faire dans mon business. When you pray like this. Quand nous prions comme cela. What are you trying to say? Qu'est-ce que vous faites? You are telling the devil. Nous pétions au diable. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. All your plans and strategies are destroyed. Toutes vos plans, toutes vos stratégies sont détruites. Because when the kingdom of God comes.
Parce que quand le royaume de Dieu descend, quand le royaume de Dieu est établi, the devil cannot come close. Le diable ne peut pas accoster près. As you know, comme je connais, just like God has a plan in our life. Pareil comme bon Dieu a un plan dans chacun de nous. The devil also has a plan in our le life. Le diable aussi ne prépare pas un plan contre nous. He has a plan for you and me. Il y a un plan qu'il prépare contre toi. His plan is to destroy our life. Ce plan c'est pour détruire His nous la plan vie. Is to kill us. C'est pour tuer nous. His plan is to rob what God has given c'est pour, us. C'est pour conquérir tout ce qui bon Dieu a His pour plan nous. Is to destroy family. Children, relationship. Ce plan, c'est pour détruire ma famille, ma relation. So, when we pray, Lord, your kingdom come. Quand nous disons Seigneur, que ton règne vienne. Hallelujah. Hallelujah. We are saying the order of God will be manifested. Nous disons que l'ordre divin est manifesté dans la vie. When we are saying your kingdom come, Lord. Quand nous disons que ton royaume est arrivé. We are saying the power of God is moving in my life. La puissance de Dieu est pour moi dans ma vie. So no demon will be able to come close to you. Alors, ben, démons pas pour accoster en nous. I am praying this prayer for 2 weeks now. On peut prier cela depuis 2 semaines. Of course, we heard it. Sometimes we forget. Parce qu'il parfois nous tendons à l'oublier. Say, Lord, your kingdom. Lift up your hand. Say this with me, please. Say, cela. Your kingdom come. Il y a que ton royaume arrive. Your will be done in my life. Ta volonté l'y fait dans ma vie. As it is in heaven. Comment il était dans Say le ciel. Say, your kingdom come. Que ton royaume arrive. Your will be done in my family. Ta volonté l'y est faite dans ma famille. Your kingdom come. Ton royaume arrive. Your will be done in my finances. Ta volonté l'y fait dans vos finances. Let me tell you something. Laisse-moi te dire certaines affaires. This week. Cette semaine. Great miracle will happen. Un grand miracle peut arriver dans ta vie. As you pray with this revelation. Et comment je peux continuer à prier so dans cette révélation? So maybe you are doing some, you are having some business. You need something. Et si je t'ai besoin, je t'ai dans business. Maybe you did some application, whatever. Peut-être je vais faire une application de travail. Start praying like this. Comment on se prie comme cela? Lord, your kingdom come. Seigneur, que ton royaume your arrive. Your will be done in de this. De volonté l'y être faite. In this work or dans whatever travail, you have là, to dans do. Dans ce projet là. What are you saying again? Qu'est-ce que je peux dire encore You are fois? Saying the power of God is manifesting. La puissance de Dieu est manifestée dans And you know when the power of God is here. Et quand la puissance de Dieu est là. The devil cannot have his way in the name of Jesus. Aucun Can we give the Lord a big hand this morning? Hallelujah. Le Seigneur très fort ce matin. Amen. Amen. Kingdom invasion. L'invasion du royaume. So the kingdom of God must be first in our life. Le royaume de Dieu est en priorité dans nous la vie. Wherever you go, understand you are bringing the kingdom of God. Partout que nous allons, nous amenons le royaume de Dieu en nous. Testimonies and testimonies. On a des témoignages et des témoignages. Where people have told me. Que ben dis-moi, dis-moi. You know, brother Kevin. Il y a frère Kevin. My business was going low. Mon business tu peux but tomber. As you came. Mais comment tu es venu? Everything changed. Tout quelque chose est changé. What is it? It's not about me. C'est pas concernant moi. We are carriers of God's kingdom. Parce que c'est nous qui portons le royaume de Dieu avec nous. The kingdom of God is in us. Le royaume de Dieu est en nous. We are the kingdom of God. C'est nous le royaume de Dieu. Live your life as from today. Vive la vie comme cela with this revelation. Avec cette révélation. Where I am going, I'm bringing the kingdom of God. Quand tu allez, moi amène le royaume de Dieu avec you moi. You will see the difference. Et là, je vous trouve la différence. Promotion will come. Promotion will la come. Promotion li pour venir. Increase will come with that you are asking. Augmentation pour venir sans que je te même Because the kingdom of God, remember? Parce qu'ils te rappellent que le royaume de Dieu. Of God, dans le royaume de Dieu. There is no sickness. Il n'y a aucune maladie. Okay, I will say something. Can you just shout amen? Alors vous me dites quelque chose, je dis amen, d'accord? Amen. Okay, 1, 2, 3. The kingdom of God, there is no sickness. Il n'y a maladie dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God, there is no lack. Il n'y a aucun manquement. In the kingdom of God, there is no disease. Il n'y a aucune maladie. In the kingdom of God, there is no weakness. Il n'y a aucune faiblesse. In the kingdom of God, there is no problem. Il n'y a aucun problème. In the kingdom of God, we are head. Dans le royaume de Dieu, nous en premier. In the kingdom of God, you are first. Dans le royaume de Dieu, nous en premier. In the kingdom of God, you are on top. Vous êtes là-haut. Come on, can you shout amen? Dis amen. In the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, you are more than conquerors. Nous plus que vainqueurs. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. That's why we must understand we are not in the kingdom of this world. À cause de ça, nous devons comprendre que nous pas dans le royaume de ce monde. We are in the kingdom of God. Mais nous dans le royaume de A Dieu. A kingdom of power. Et un royaume de puissance. But very important. Il est très important. We cannot want the power without our responsibility. Nous pouvons pas gagner cette puissance sans nos responsabilités. You know, if you have a Mauritian passport. Si vous avez un passeport mauricien. Okay, let's speak about our Nigerian and other brother from Africa. Et nous cause de bonne frère et sœur de Some countries you need visa. Et certains d'entre nous besoin d'un visa. So when you take the passport you visit, let's say we are going to Nigeria. Donc par exemple, nous Nigeria, nous besoin du passeport. When you go there, they see Mauritian passport. Et quand tu t'abats, ton passeport mauricien. Of course, they loved us.
Mais est-ce que ce compte en nous? But there's some procedures. Mais il y a une procédure. In most international airports. Dans tout mon aéroport international. There will be resident and foreigners. Il y a toujours de la ligne un résident et un étranger. In fact, they will call us foreigners. Les là là-bas, on appelle nous étrangers. You have long queues sometimes. Parce qu'il est là, il y a de longues queues. But if you have a Nigerian passport, you go there. Mais si par exemple, je n'ai pas de nigérien. Hello, welcome home. Et on a dit, hey, bienvenue à la maison. Mais and just stop. Seal it. Amen. Et là, je so you see, Mauritius also, when you're coming abroad, you're coming. Mais quand je sortis en dehors, je passe par le résident. Je passe dans la ligne de résident. You don't need to show any paper. Et je dois bien montrer le you papier encore. You don't need to show your work permit or study permit. Je dois bien montrer nos permis d'éducation ou bien de you don't de have 6 months to stay. Je connais le Mauritien, nous avons 6 mois pour rester. The guy come and say, welcome, Mauritian. Et sa personne vient dire, hey, you Mauritien, can bienvenue. Stay here. Quand aucun roi reste là. These are privileges in the kingdom. C'est un privilège du royaume. But of course, we must be a citizen. Bien sûr, nous sommes citoyens. We have some certain things we have to do as a Mauritian. En tant que Mauritien, do you know, as Mauritian, we all pay taxes. En tant que Mauritien, nous tous payons taxes. Everything you buy, you pay tax. VAT. Toutes choses qui nous achetons, nous payons VAT. So you're contributing towards the economic. About the economy of the country. Parce qu'il nous peut contribuer à l'économie du pays. Amen. Amen. We have responsibility. We work for this country. Parce qu'il nous travaille dans ce pays. Then we have the privilege. Après, nous gagnons le privilège. In the kingdom of God, this is a problem sometimes. Mais voilà qui arrive dans le royaume de Dieu. We want the power. Nous vivons la puissance. We want the privilege. Nous vivons le privilège. The benefits. Nous vivons le bénéfice. But we don't do what we are asked to do in the kingdom. Mais nous ne prenons pas nos responsabilités pour faire ce qu'il nous a appelé pour faire. Then of course, the power cannot be manifested in our life. Mais là, quand même la puissance de Dieu peut être manifestée dans nos vies. Simple people of God. Est-ce qu'il est simple, peuple de Dieu? I want to read a scripture to you right now. Vous voulez un verset avec Zut. In Psalm verse 22 verse 28. Psalm 22 verse 28. For the kingdom is the Lord's and he rules over the nations. Car l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Amen. Amen. You know God has created this heaven and earth. Je connais que Dieu a créé le ciel et la terre. And you know this ugly devil. Et je connais qu'il est le vilain diable. Amen. He tried to steal the authority from Adam and Eve. L'autorité d'Adam et d'Ève. Jesus Christ came to earth. Mais Jésus-Christ est venu. To take back the authority. Pour reprendre sa autorité là. And to establish the kingdom of God. Et pour établir le royaume de Dieu. Amen. Amen. And what is the kingdom of God? C'est quoi le royaume de he Dieu? Said, it is not eating or drinking. C'est pas manger et boire. But it is righteousness, peace and joy in mais the Holy la Ghost. Justice, et la paix et la amen. Joie de l'Esprit. This is the heart of God. Voilà le cœur de to Dieu. To restore the kingdom of God. Pour restaurer le royaume de Dieu en nous. So when we do this, God has called us to advance the kingdom. Dieu n'appelle nous pas avance ce through royaume. Our prayer, our fasting. À travers nous la prière, le jeûne. Our presence is important in everything the church do. Et notre présence est importante dans toute activité de l'Église. Mission, evangelism, social. La mission, l'évangélisation, la sociale. Bonne conférence des soeurs. Whatever we are doing, what we do, we are advancing the kingdom of God. Tout ce que l'Église peut organiser, nous peut avancer le royaume de Dieu. We can walk also in the power of God. Et là, nous commençons dans la puissance de Dieu aussi. Amen. Amen. The Lord rules over all the nations. C'est-à-dire que Dieu est régné sur toutes les nations. Psalm 24, verse 1 and 2. Le psaume 24, 1 et 2. Oh, hallelujah. The earth is the Lord's and all its fullness, the world, and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Allez-y. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verse 3. Verset 3. Who may ascend into the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? Verse 4, please. Look at this. He who has clean hands, a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes de cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. What does the Bible say now? Qui la Bible dit maintenant? The kingdom of God is for the Lord. Le royaume de he Dieu est pour Dieu. His kingdom all over the earth. Il établit son royaume partout. Who may ascend in his presence? Qui sera capable de monter dans la présence de we Dieu? We have to take our responsibility. Nous devons prendre nos responsabilités. As a kingdom citizen, en tant qu'un citoyen du royaume, we cannot live our life according to what we think. Nous ne pouvons pas vivre de la vie comme nous pensons. We must live our life according to what the word of God says. Mais nous devons vivre
dit comment la parole de Dieu dit. This is a problem in the kingdom of God. Et voilà le problème dans le royaume de Dieu. This is one of our problems in our life. C'est le problème de ma chrétien. We are in the kingdom of God. Nous dans le royaume de Dieu. Let's say we are in Mauritius. Par exemple, nous dans Maurice. We want to live out like the French. Nous on vit comme un français. It's okay, no problem. You can have a good snail. Bien sûr, je commence un bon escargot. No problem. Mais aucun problème. You cannot drive like the French on the right. Mais ne pas grave conduire comme un mal français d'un côté droit. Are you still here? Vous êtes là même? Amen. Amen. You cannot. But this is what we do. We are in the kingdom of God. Et c'est ce qu'il souvent nous fait, nous dans le royaume de Dieu. But we live according to the world. Mais nous vivons en accord avec le monde. The power of God cannot manifest now. Donc la puissance de Dieu ne peut pas manifester dans nous la Can vie. Can you say amen, please? Amen. In Psalm 103, verse 19. Psaume 103, verset 19. To last scripture we pray. 103 verse 19. 103, 19. The Lord has established his throne in heaven. His kingdom rules over all. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Hallelujah. People of God. Peuple de Dieu. Live for the kingdom of God. Vive pour le royaume de Dieu. Advance for the kingdom Avance of God. Avance au royaume de Advance Dieu. Advance the kingdom of God. Avance au royaume Establish de Dieu. Establish the kingdom of God. Établir le royaume like de Dieu. Again by our prayer. Par nous la prière. Our fasting. Par nous jeûne. Every financial seed we sow in the church in the kingdom of God. Toutes les semences financières qui nous sommes dans le we royaume de Dieu. We are helping to advance the kingdom of God. Aider pour avancer au royaume And de I Dieu. And I promise you according to the word Et of God. Et vous promettez que la parole de Dieu. I feel the power of God in this place this morning. La parole de Dieu est là ce matin. The power of the kingdom of God will manifest in your life and your family. La puissance du royaume de Dieu dans votre famille. This will be a great week for you and your family. C'est pas une grande semaine pour vous et votre famille cette semaine. Pas à cause de moi. It's about the kingdom of God. Mais il concerne le royaume de Let's Dieu. Let's go back to this last scripture I open up in 1 Corinthians 4:20. Dans 1 Corinthiens 4:20. The kingdom of God. Let us stand to our feet, please. Levez-nous debout, s'il vous plaît. For the kingdom of God is not in word but in power. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas en parole, mais en puissance. Nous lèvons la main, nous fermons les yeux. I will help you pray. Vous pouvez inviter vous pour faire Pray for your miracle to happen today. Priez que votre miracle pour arriver aujourd'hui. Not tomorrow. Pas demain. My beloved brothers and sisters. Chers frères et sœurs en Christ. Get the revelation. Gagnez cette révélation ce matin. You are in the kingdom of God. Vous êtes dans le royaume de Dieu. The kingdom of God is power. Le royaume de Dieu c'est la puissance. The kingdom of God is blessing. C'est la bénédiction. The kingdom of God is supernatural increase. Le royaume de Dieu c'est vraiment une augmentation surnaturelle. Of God. Le royaume de Dieu. No devil in hell can stop the kingdom of Mais God. Aucun démon dans l'enfer qui arrête Dieu. If he was able to stop it, Parce que s'il était capable he would have stopped Jesus. Mais tu peux arrêter Jésus. But no, he is a loser. Mais non, il y a un perdant. He is under our feet, the non, devil. Pas, le diable. Come on, someone help me this morning.